Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Mafia le remake, donc je suis un petit peu en retard, mais j'ai enlevé une oreillette, j'ai chopé la mort ces derniers jours et du coup j'ai encore un peu la gorge en feu. Là j'ai fait le maximum pour avoir le nez débouché pour être bien. On va se faire une petite mission ensemble, je vais vous montrer ce remake. On est sur PC, en ultra. J'utilise un nouveau micro, là, un micro cravate. J'ai pas encore tous les trucs, tous les réglages et tout, avec l'application Dolby On en plus. Donc je vais essayer de limiter le bruit de la manette et tout. Je vais tenter. Et je capture avec un truc différent d'habitude. D'habitude, j'utilise le logiciel de Nvidia, le Shadowplay. Et je ne sais pas pourquoi, là, ça fait complètement déconner le son et tout. Donc J'utilise le truc de Windows, la Windows Bar qu'on peut ouvrir avec le bouton Xbox de la manette. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement ça va enregistrer en 60 images secondes et tout sans problème. Ça a l'air d'y aller sans problème. Je crois que je peux enregistrer jusqu'à 2 heures il me semble d'après les paramètres. Donc on va pas faire une vidéo aussi longue. Ils sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier, m'assurer qu'ils sont partis. Bon, moi j'ai le petit compteur qui s'affiche avec le temps et tout, mais normalement... T'auras fini avec Vinny, viens me voir à Chinatown. D'accord, on va aller botter des culs. Ouais, je sais pas si c'est une application qui demande beaucoup de ressources. Donc, et comme d'habitude, bah, j'ai un chat qui gratte, évidemment. Donc c'est un remake total, celui-là. Hein. Merde, c'est lui qui conduit. Il fait quoi? Ah non, faut que j'aille là-haut, je croyais qu'il fallait que je monte avec lui. C'est un remake total, donc du Mafia qui est sorti en 2003, je sais plus. Donc qui ressort aujourd'hui sur PC, Xbox One et PS4. En fait, si vous pouvez l'avoir soit à l'unité, soit acheter la trilogie. Alors la trilogie, le 2 est seulement remasterisé comme il était plus récent. Et le 1 est un remake entier, complètement refait. Et le 3, bah, c'est juste le 3 avec les DLC, quoi, puisque c'est le plus récent, il n'y avait pas grand chose à retoucher. Avec l'autographe de Babe Ruth, mais, en plus, attendez, parce que j'ai un chat qui gratte. Mais je la vois pas, je sais même pas où elle est. Ça c'est sûr. Bon, j'ai mon siège qui grince un peu. Essayez de pas trop bouger. J'espère qu'avec le micro là, ça va le faire. C'est la première fois que je l'utilise. J'ai juste fait des petits tests de mon côté vite fait. Voilà, donc j'ai chopé la mort ces derniers jours. Du coup, je devais vous faire. Tennis World Tour 2 aussi, je sais à peu près ce que je vais vous dire sur le jeu. Mais je suis fou ou quoi? Ah, elle est là-bas. J'entends gratter, mais on va couper la radio par contre. Vous voyez, en plus il pleut, ça va nous donner des beaux effets et tout. Le jeu il est quand même... Bien refait. Alors après, par contre, on n'est pas sur un GTA-like. Hein. On est dans une ville, je vais vous montrer la carte. Ça, c'est le limiteur de vitesse. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez qu'elle est assez grande. Par contre, vous voyez, il y a de la désynchro, là. Je sais pas ce que c'est qui fait ça, c'est peut-être la capture. Mais c'est pas un GTA-like, on se balade librement comme on veut et tout. En fait, la ville, c'est plus là un truc... pour dire, t'enchaînes pas les missions dans un menu, quoi. Tu te déplaces de point en point pour aller à tes missions et tout. Mais en gros... tu dois... voilà, aller de point en point. Mais t'as pas... tu peux pas aller après faire plein d'activités annexes, plein de trucs et tout, comme dans un GTA Live. Pousse-toi, toi. Après, dans ce jeu, faut faire attention aux flics. C'est pour ça que vous avez un limiteur de vitesse sur les voitures. Parce que les flics, même quand vous faites n'importe quoi sur la route, ils vous font chier. Donc... C'est pas trop tôt. Allez, je suis trempé. J'arrive pas à croire que Biff soit venu dans ce coin. Et ça me saoule parce que l'autre, toujours quand je commence à tourner une vidéo, elle veut sortir. Elle gratte comme une cinglée à la fenêtre. Toujours. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible... C'est les gonzesses. Parce que lui, ouais, lui, il enregistre bien, c'est bon. Je vérifie aussi que ça enregistre bien de l'autre côté.
Donc là, on va se faire une petite mission ensemble, et puis voilà, c'est histoire de vous montrer pour ceux qui connaissent pas. Mais en tout cas, pour moi, le remake, il est quand même bien réussi. Ils ont retouché la conduite des voitures aussi, et vous pouvez les mettre en simulation ou en mode normal pour les voitures, pour la conduite. Parce qu'il y a des courses de voitures, il y a plein de choses différentes quand même dans le jeu. T'as rien d'autre? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Il y a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien. Ah ouais, je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station-service à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passez par derrière, traversez la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. À bientôt, mon pote. Au fait, Polly, à propos du fric. Du calme. On attend que mon contact passe. Ce sera la semaine prochaine, t'en fais pas. Bon, s'il y a un petit peu de désynchro sur l'image et tout, je pense que c'est la capture. Parce que j'avais pas ça hier en jouant sans capturer, donc. Vous parliez. Vous avez une affaire tous les deux? Ouais, une connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards classe mexicains. Tu fais venir tes costards de Mexico? Mais non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. Le tailleur, lui, il vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit à Holbrook. Le Don sait pour tout ça? Ouais, ouais. Il touchera sa commission. T'occupe pas de tout ça. J'ai rien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers, en les voyant? Ouais. Alors que là, j'ai joué aussi, je vous le dis, j'ai joué à peu près 2 heures. Hein. Donc, c'est pas une mission du tout début du jeu. J'ai fait à peu près 2 heures de jeu. Donc ce que j'ai pu lire, c'est que sur les versions console, par contre, il y a un petit peu de clipping. Il y a un truc qui est tombé derrière moi, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit peu de clipping et de 2-3 petits trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas l'air trop mal aussi, les versions console. Donc franchement, moi je vous conseille de prendre celui-là tout seul. Après le 2 peut être sympa. Mais après, le 2, c'est vraiment juste un remaster, quoi. Ils ont lissé un petit peu le moteur et ils ont pas fait plus bon choix. Cette fois, elle est venue. Allez. Hop, ça pique, ça pique, ça pique. Alors avec le Y, il faut faire des esquives. Il faut appuyer au moment où ils vous le disent. Oh. Je les ai déjà frappés, eux, mais ça n'a pas été aussi violent la première fois, quoi qu'il y en a un ou deux qui ont pris cher quand même. Comme ça qui sprint là. C'est quoi plus? Regardez, regardez. Il y a le mec qui brûle. Il y a l'électricité. Moi, je pense qu'elle est nettoyée la cour là. Il veut pas mourir, lui, dis donc. Hein? Elle n'est pas nettoyée la cour là? Ça me paraît pas mal pourtant. Hop. Regardez cette destruction qu'on a. C'est pas mal du tout. Tom, il faut trouver Billy. Faut qu'on
qu'on se débarrasse de tous ces fils de chiens. Tue-les tous. Oh. Ah bah oui, oui. Attention au fusil à pompe, oui, j'ai pas eu le temps de faire attention. Moi je suis mort ou quoi? Ah bah dépêche-toi. Bon, j'avais pas prévu de mourir comme ça. Ouais, que j'avance, mais s'il me met une bastos, je suis mort. J'ai rien à lui balancer. Allez, crève. Voyez là, pour reprendre de la vie, c'est comme ça. Ouais, je vois pas grand chose, c'est un petit peu sombre là. Par contre là. Toi tu vas prendre cher. Pas grand chose là. J'aurais peut-être dû augmenter un petit peu la luminosité avant. Je sais pas ce que ça va donner sur la capture. Couché. Hop. Petite course poursuite. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Bon, c'est bien parce que c'est une mission assez complète où il se passe pas mal de choses. Je suis content de vous avoir montré ça du coup. Bon, s'il y a des petites baisses de framerate ou des micro-freeze ou quoi, c'est la capture. Hein. Je sais pas si ça se verra sur la capture, mais. Mais c'est la capture. Parce que j'ai clairement j'ai aucun problème. Pousse-toi. Poussez-vous. Ces abrutis vont regretter d'avoir posé les yeux sur Sarah, pas vrai? Non, pousse-toi. Poussez-vous. J'ai une voiture qui est pas super maniable là. Hein. Non, pousse-toi toi. Putain, il tourne en rond, en plus j'ai une voiture qui est pas maniable. C'est terminé pour autant.
Allez, vas-y, bute-le. Non. Non, non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je peux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive ? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute. S'il pouvait, crois-moi, qu'il t'aurait déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Mais lui aussi, on dirait. Bon, c'était une bonne petite mission pour vous montrer ça. Non, merde, Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah ? Ouais. Je sais, mais... Allez. On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent. Ouais, ça, franchement, c'est un bon remake. Pour les gens qui ne l'ont pas fait à l'époque, je vous le conseille. Surtout que vous pouvez l'acheter seul et pas acheter la trilogie. Et sur console, il existe en boîte, même tout seul. Donc, c'est plutôt... juste une carte. C'est plutôt cool. Comment dire ? Il y a... Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ça y est, je suis complètement plumé. Je sais plus. Ah, je me rappelle plus. Bon, ouais, il existe en version boîte sur console. Donc c'est bien. Il faut qu'on discute. Après, il y a la trilogie complète, si vous voulez. Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça. Le Maccabée s'appelle... Guilotti. Je le reconnais. Ouais. C'est un des gars qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête ? Ouais. On l'a buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type était un violeur, boss. Ah ouais. C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, y a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Oh merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais il était mort quand on est arrivé. Quoi ? C'était le neveu du président ou un truc du genre ? Deux balles dans la tête, Pauly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il est pas mort ? Non. Il est passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Est-ce qu'il peut vous identifier ? J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer deux oiseaux avec une seule balle. Les obsèques de Guilotti ont lieu aujourd'hui à Saint-Michel. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit vénard. Comment je vais le reconnaître ? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit. C'est un bordel ? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michel. Le Don a investi pas mal de fric là-bas, depuis le temps. Et nous aussi, on a investi. Quoi qu'il en soit, le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello, et plus avec nous. Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations ? Oui. Et après, fais sauter le club. Quoi ? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Écoute, Tom, on ne peut pas envoyer Pauly ni Sam, vu que toutes les filles les connaissent. Ils n'arriveraient même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. Les visages aussi sont bien faits sur ce remake, je trouve. Il n'y a que les animations qui sont pas GG. La VF est cool. Ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce. Mais vous pouvez mettre en anglais et en plein d'autres langues, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre en français, mais je trouve que la VF est pas mal. C'est pour ça que je vous ai laissé un petit peu, là. Fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture ? Oui, mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elle. Attends, tu veux que Tommy bute une fille ? Arrête, Franck. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs ?
Ouais. Tom ? Pas de soucis, boss. Alors au boulot. Bon, on va pas la faire en vidéo, celle-là. On va s'arrêter là-dessus. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer une petite mission pendant que je suis dans un état à peu près correct. Parce que clairement, avant-hier et hier, c'était même pas possible. J'avais du mal à tenir debout. J'ai la gorge encore en feu, mais j'arrive à parler. Hier, c'était vraiment le chaos. J'avais dormi 3 heures et tout, donc c'était vraiment pas possible de tourner une vidéo dans ces conditions-là. Donc là, je suis pas au top, mais ça va. En plus, j'ai reçu le micro hier, du coup, comme ça, je peux l'essayer. Donc, Tennis World Tour 2, il y aura une vidéo aussi. Je commence à avoir à peu près une idée de ce que je vais vous dire. C'est à peu près en ordre dans ma tête. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.